Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 12 avril. On commence directement avec le match avant-hier des Blaugrana. C'était du côté de Levante, le bon dernier actuellement du championnat. C'est pas qu'ils sont derniers, c'est une petite équipe hein, parce qu'ils ont vraiment gêné hein, cette équipe Blaugrana. Donc les Blaugrana se sont imposés déjà 3-2 hein, du côté de Levante. Une victoire dans la douleur, donc Aubameyang, Pedri et Luc de Jong buteur. Donc victoire dans la douleur, mais victoire au bout et surtout 3 points de plus dans le classement de la Liga. Donc soirée parfaite bien sûr, hein, surtout niveau résultat pour le FC Barcelone. On peut voir les stats du match, hein, bien sûr le Barça le plus la possession de balles hein, quasiment à chaque match, plus de tirs cadrés hein, côté Blaugrana. Ça aurait pu voilà, être match nul, bon voilà ça tourne en faveur du Barça, donc bien sûr on prend. Et du coup avec ce nouveau match sans défaite, donc c'est quand même le 15e match d'affilée en Liga que le Barça n'a pas perdu hein, c'est incroyable les gars. Regardez toutes les dernières équipes du FC Barcelone qu'ils ont affronté en Liga. Et aucune défaite, quelques matchs nuls, mais surtout beaucoup de victoires. Hein. Avec ce 15e match sans défaite en Liga, le Barça est la seule, sur la meilleure série en Europe actuellement. Parmi tous les clubs du top 5 européen, c'est le Barça actuellement qui a la meilleure série, bien sûr, en termes de matchs consécutifs sans défaite en championnat. Et du coup, lors de ces 15 derniers matchs, les gars, donc c'est 37 points pris sur 45 possibles en Liga, 37 buts marqués, 14 buts encaissés. Donc tout va bien actuellement. Tous les voyants sautent au vert hein, côté FC Barcelone. Et du coup, le classement. Donc le Barça toujours à cette deuxième place. Hein. Bon, il y a toujours le Real Madrid qui est devant le Barça. Le Barça match en retard par rapport au Real. On va dire que le Barça gagne son match en retard. Il y aura toujours 9 points de retard avec cette équipe madrilène à 7 journées de la fin. Il faudrait tout simplement que le Real Madrid s'effondre hein, tout simplement en fin de Liga pour que le Barça puisse avoir l'espoir de titiller le Real Madrid et de jouer le titre. Hein. Tant que le Real Madrid prendra des points, ils ont gagné encore contre Getafe 2-0. Tant que le Real prendra les 3 points, les gars, sera compliqué bien sûr pour le Barça de revenir hein, sur l'équipe madrilène. Mais bon, voilà, visez. Voilà, c'est deuxième place. C'est très très bien, n'oubliez pas l'objectif, hein, t'es déjà terminé dans le top 4, hein, parce que le Barça, les gars, il y a quelques mois, c'était quand même 13e de Liga, maintenant 2e, hein, donc on va pas s'en plaindre. Donc du coup, on revient bien sûr hein, sur cette affiche et épique tout simplement en une journal sport et on va parler voilà, de tout ce qui s'est passé hein, dans ce match. Donc les coulisses d'un match épique, donc mené au score, 3 pénaltys concédés quand même pour tout simplement quoi, obtenu hein, l'équipe de Levante. 2 buts marqués par des joueurs qui venaient d'entrer en jeu. Le but de la victoire marqué dans les arrêts de jeu, Luc de Jong, et une seconde place conservée bien sûr. Hein, et dans l'histoire de la Liga, aucune équipe ne s'était imposée après avoir concédé 3 pénaltys, mais ça c'était avant le Barça de Xavi, avant-hier soir bien sûr. Hein, Levante, les gars, obtenu 3 pénaltys, 2 buts, deux pénaltys ont été transformés, 1 pénalty a été arrêté par Ter Stegen. Donc c'est la première fois dans l'histoire hein, qu'une équipe concède 3 pénaltys et qu'elle s'impose à la fin du match. Bah, c'est le FC Barcelone hein, qui aura son nom dans ce palmarès, bien sûr. Et Xavi, les gars, quelques déclarations de sa part. Hein. Ce sont 3 points précieux. Levante a gagné Villarreal et s'est imposé Wanda Metropolitano, hein, l'équipe de l'Atlético Madrid. Elle mérite d'être mieux classée car elle a une idée claire de ce qu'elle propose avec un entraîneur qui prépare bien son système avec un pressing où il a aussi dit hein, nous n'avons pas été bien. Ce n'a pas été un excellent match. Mais nous avons concouru jusqu'à la fin et c'est la voie à suivre hein, car vous ne pouvez toujours pas, vous ne pouvez pas toujours jouer de grands matchs et l'important est de les obtenir bien sûr, surtout les 3 points, j'ai dit, hein, c'était une victoire dans la douleur, mais le plus important bien sûr, hein, c'est de prendre 3 points de plus. L'équipe est prête à concourir, nous avons une mentalité de gagnant et nous sommes très heureux. Levante ne mérite pas d'être là car ils jouent bien, nous ont battu, hein, donc l'Atlético et l'équipe de Villarreal. Il a aussi dit, hein, on a gagné grâce à la mentalité, on est dans une super dynamique, hein, voilà, plus de 15 matchs sans défaite bien évidemment, hein, la dynamique est parfaite actuellement. Il a aussi dit, hein, c'est évident que nous n'avons pas joué à un grand match, mais nous avons très bien joué et nous avons obtenu 3 points d'or. Ter Stegen et Luc de Jong ont fait la différence aujourd'hui. Et pour finir, hein, donc il a dit, hein, je pense que nous avons remarqué la fatigue jeudi dernier hein, du match du côté de Francfort. Et ça, à certains moments, les joueurs avaient des jambes fraîches, comme Luc de Jong, ont été bons pour nous. Voilà, les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu ont été décisifs, hein, comme Pedri ou même comme Luc de Jong. Hein, les deux ont été buteurs. Et toujours avec Xavi, hein, nous devons améliorer notre jeu, mais nous jouons très bien, c'est une question de mentalité de gagnant et d'y croire jusqu'au bout. Et toujours avec Xavi, hein, sa dernière déclaration par rapport au titre, hein, bien sûr, même s'il y a 12 points d'écart entre bien sûr avec l'équipe du Real. Le titre, c'est très difficile, Madrid n'échoue pas, mais s'il perd des points dans les deux prochains matchs, hein, donc tout peut être possible, bien sûr, si le Barça s'impose dans les deux prochains matchs, le Real, on va dire, ils prennent seulement un point, un nul, une défaite, donc tout reste joie, bien sûr, n'oubliez pas que le Real se déplace du côté de Séville, hein, le prochain match de Liga. Actuellement, Séville, hein, je crois, sont 3 ou 4e de Liga, c'est pour ça que voilà, peut-être le Real Madrid pourrait se faire accrocher. On va parler de ce joueur, les gars, Luc de Jong, buteur à la 92e minute. Hein, c'est grâce à lui, en gros, bah, que le Barça prend les 3 points. Sinon, le Barça aurait pris seulement 1 point. Donc, Luc, tout simplement, une journal Mondo Deportivo. Hein, c'était la version d'hier.
Et on peut voir déjà qu'il a marqué quelques buts. Et regardez en 2022 les buts qu'il a inscrits. Et on peut voir surtout des matchs où ça a été décisif. Par exemple, ce Levante-Barça, c'est lui qui a inscrit le but victorieux. Donc ça donne 3 points de plus au Barça. La même chose, Espagnol. Espagnol-Barcelone contre le FC Barcelone. Donc le derby de Barcelone. Il avait inscrit aussi un but en fin de match, 2-2. Donc il avait permis d'égaliser. Donc du coup, de prendre un point. Donc tous ses buts inscrits, ou même Mallorca-Barça, il y avait eu 1-0 pour le Barça. C'est lui qui avait inscrit l'unique but du match. Donc 3 points de plus pour le Barça, donc c'est lui qui a marqué le but victorieux, et du coup 8 points gagnés grâce à ses buts en 2022. Sans eux, on serait actuellement 7ème de Liga, l'équipe du Barça, si voilà, Luc de Jong n'était pas décisif autant de fois qu'il est ces derniers matchs, hein. Donc voilà, pour montrer quand même l'importance bien sûr de Luc de Jong, qui n'est pas un titulaire, hein, du côté du Barça, mais quand il rentre en cours de jeu, bah, souvent il est décisif, hein, preuve à l'appui. Il a dit, hein, je suis heureux, marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu, c'est toujours super, je ne m'en lasserai jamais, mes coéquipiers me connaissent bien et ça comment je peux marquer. Il a aussi dit, hein, je suis très content, j'aime marquer des buts, mais marquer à la dernière minute, obtenir les 3 points est un sentiment différent. L'équipe sait quoi faire quand je quitte le banc. Il a aussi dit, hein, le Real Madrid va perdre des matchs et perdre des points, et nous devons être attentifs à cela. Donc voilà quelques déclarations de Luc de Jong. Donc je sais pas si on doit appeler Luc de Jong peut-être Luc de Gaulle, hein, tout simplement. Voilà, on peut voir le FC Barcelone a changé bien sûr son nom avec Luc qui inscrit tout simplement des buts. Et on peut voir qu'il a mis, hein, sur son compte Twitter, ça fait du bien d'être de retour, hein. Il n'y a pas qu'il y avait le Covid, hein, quand même, il y a quasiment une dizaine de jours. Donc il était revenu à l'entraînement, il a pu rejouer. Et bien sûr, hein, voilà, pour son retour, buteur. Hein, toi on t'aime, hein, voilà, le FC Barcelone a mis ça bien sûr, hein, sur le tweet de Luc de Jong. Et nous n'abandonnerons jamais. Félicitations pour un autre but. Donc c'est Aubame, les gars. Voilà, c'est Luc de Jong qui a retweeté, hein, le tweet de Aubame. Et on va parler maintenant d'Aubame. Aubameyang, bien sûr. Hein, lui aussi a été buteur. Et Aubameyang, depuis sa signature en janvier au Barça, 14 matchs et 10 buts. Hein, je crois que c'est 10 buts toutes compétitions confondues. Je crois qu'actuellement, bah, voilà, il a 8 buts en Liga. Donc les deux autres ont été certainement inscrits en Europa League. Donc voilà, déjà des belles stats. Hein, déjà 10 buts toutes compétitions confondues pour Aubame, hein, qui a rejoint le club là, il y a quasiment 4 mois en 15 parties. Donc voilà, félicitations bien sûr à Aubame. Nous avons manqué d'intensité en première période. Nous avons corrigé le tir en deuxième mi-temps. Luc de Jong mérite ce but. Nous avons cru en nous après le pénalty arrêté par Ter Stegen, qu'on parlera tout à l'heure. Et nous avons pu gagner ce match. Il a aussi dit, en première mi-temps, je n'ai pas bien joué. En seconde mi-temps, j'étais meilleur. Hein, voilà, il est franc. Je n'ai pas vu les vidéos des pénaltys, mais quand l'arbitre siffle, vous ne pouvez rien faire, bien sûr. Hein, il le dit aussi, Dembélé doit rester. Voilà, quelques déclarations, bien sûr, d'Aubame. Donc, une petite photo d'Aubame, cette fois-ci avec Pedri. Et cette fois-ci, voilà, on va parler. Hein, on ouvre la page Pedri. Quel match, quelle rentrée, petite folie, hein, bien sûr, voilà, sur son compte Twitter, donc c'est la traduction Google, hein, voilà, d'après les propos, bien sûr, de Pedri. Et Pedri, les gars, il joue même sans chaussures, hein. C'est incroyable, hein. Chaussures ou pas, il faut rester focus sur le ballon. Donc voilà, il a, enfin, la chaussure est partie de son pied, les gars, regardez en chaussettes, hein. Pedri, malgré ça, bien sûr, hein, ça reste un très très grand joueur. Il a mis sur Instagram une photo, ben, de lui et une photo de Léo Messi, ancien joueur bien sûr, hein, du Barça à l'époque, lui aussi, hein, il avait joué quelques secondes, un coup avec, avec une chaussure en moins, bien sûr, hein, c'était lors d'un classico contre l'équipe du Real Madrid. Voilà la photo de Léo Messi, comment dire, buteur en chaussettes, incroyable à l'époque. Donc on revient bien sûr, hein, sur Pedri, les gars, quelques autres photos de Pedri. Et il a dit, hein, Xavi me dit de jouer plus haut pour marquer, j'ai pris ma chance et c'est rentré. Levante fait du bon travail malgré sa place au classement, le penalty arrêté par Marc-André Ter Stegen et le but de Luc de Jong ont été déterminants. Nous voulons tout gagner jusqu'à la fin de la saison, hein, bien sûr. Il a aussi dit, hein, Luc est un joueur très professionnel et à chaque fois qu'il rentre en jeu, il marque des buts. Il a aussi dit, Gavi, il a une immense qualité et un gros potentiel. Et l'intensité qu'il met dans les matchs et les entraînements est folle. J'espère qu'il continuera comme ça car j'ai beaucoup d'amour pour lui. Il a aussi dit, à marquer des buts, c'est ce que l'entraîneur me demande à la fois, Xavi Henrique. Et j'essaie, que ce soit en sélection espagnol ou au Barça, donc de tenter plus sa chance et tenter sa chance. C'est vrai qu'il marque pas mal de buts comme Pedri cette saison. Et le coaching ultra gagnant, hein, de Xavi ce soir, parce que Xavi a mis Pedri et Gavi sur le banc. Donc voilà, ils sont rentrés en cours de jeu en deuxième période. Ils ont été bien sûr décisifs. Hein. Et la Pedri dépendance comme du côté du Barça. Le FC Barcelone a remporté 80% de ses matchs lorsque Pedri est titulaire en Liga, contre seulement 42% lorsqu'il n'est pas là. Hein, pour vous dire, voilà, qu'il est très très important. Maintenant, c'est un joueur cadre, hein, malgré ses 19 ans, c'est un cadre, hein, de l'effectif Blaugrana. Donc voilà, des autres photos, hein, bien sûr, de Pedri avec Gavi. Voilà, toujours Pedri qui tire
la langue est Pedri Potter, hein, bien sûr, vu qu'il est comparé à Harry Potter, bien sûr, c'est un magicien. Mais on peut voir que c'est pas lui hein, qui a été élu homme du match, les gars, d'après plus de 4000 votes. C'est bien le gardien, Marc-André Ter Stegen, avec plus de 40% des votes, hein, tout simplement. Donc il y a des arrêts qui valent 3 points, parce qu'oubliez pas que l'équipe de Levante a obtenu 3 pénalties, 2 ont été marqués et 1 a été arrêté par Ter Stegen. Et 2 minutes après, les gars, le Barça a inscrit un but. Donc voilà, ça a été vraiment un moment, un fait du match, hein, tout simplement. L'arrêt de Ter Stegen, hein, tout part du pénalty arrêté par cet homme, hein, voilà, lors du 2-1, voilà, du FC Barcelone. Donc félicitations, bien sûr, à Marc-André Ter Stegen. C'est vrai qu'on parle beaucoup des joueurs offensifs, voilà, les passes, les buts, tout ça. Mais il faut aussi féliciter les gardiens, surtout quand ils sont décisifs. On va parler cette fois-ci de Dembélé. De nouveau, décisif, Dembélé, besoin d'une passe décisive, appelé, bien sûr, Dembélé, n'est-ce pas, Obama, vu que c'est Dembélé qui a fait la passe D hein, pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et 11 passes D déjà en 14 matchs de Liga pour Ousmane Dembélé, c'est incroyable, hein, 11 passes décisives déjà, hein, en seulement 14 matchs, hein, qu'il a loupé beaucoup de matchs à cause de blessures. Et on peut voir l'incroyable forme de Dembélé en Liga avec Barcelone. Donc regardez les derniers matchs, on peut voir à chaque fois, il délivre quasiment à chaque fois au moins une passe décisive. Il avait même été buteur hein, contre l'équipe de Bilbao, il n'y a que contre l'équipe de Elche, où ça est resté, enfin où il est resté néant dans le match. Donc voilà, en grande forme actuellement. Dembélé actuellement avec ses 11 passes D, donc il est au même niveau que Karim Benzema. En gros, c'est les deux meilleurs passeurs actuellement du championnat espagnol. C'est quand même deux joueurs français. Et des autres photos hein, de Ousmane Dembélé lors de son match. On va parler cette fois-ci d'Eric Garcia, continue de grandir à pas de géant. Le défenseur a de nouveau montré son sang-froid. En plus de toujours aider à la sortie du ballon, il a sauvé un but de Morales, a remporté la majorité de ses duels et a réalisé le plus d'interceptions dans le match. Une grosse partie, les gars, d'Eric Garcia qui monte vraiment en puissance. Hein, vraiment, il commence à trouver sa place de maintenant un titulaire indiscutable hein, de cette équipe. 74 ballons, 93% de passes réussies, 5 duels sur 6 gagnés au sol, 2 duels sur 3 gagnés dans le secteur aérien, 4 récupérations, 3 interceptions et un tir sauvé sur la ligne. Donc voilà, je vous le montre. Hein, sinon, bien sûr, ça aurait fait un but de plus. Hein. Pour l'équipe de Levante, il l'a sauvé sur la ligne. Félicitations à Eric Garcia. Quelques autres photos hein, de Eric Garcia. Malgré qu'il ne soit pas super grand, Eric Garcia, hein, je pense qu'il doit faire aux alentours d'1m75. Donc c'est petit, on va dire, hein, pour surtout un défenseur central. Mais voilà, il fait son taf. Il est surtout très intelligent. Hein, il se place très très bien tout ça. Et c'est ce qui, c'est pour ça que surtout hein, qu'il montre hein, que c'est un grand footballeur et surtout un grand défenseur. The Hulk, donc bien sûr, hein, c'est Adama Traoré qui va faire son maillot à la fin du match. On a une de photos, hein. Joueur de l'ailier, espagnol. Ferran Torres, les gars, pour l'orgueil et le caractère, ça ne sera pas le FC Barcelone. Il y en a 7 à la suite en Liga, donc 7 victoires d'affilée en Liga quand même pour le Barça. Voilà ce qu'a mis hein, Ferran Torres sur son compte Twitter. Quelques autres photos hein, de l'ailier espagnol. On va parler de Clément Lenglet. Donc lui, bon, il n'a pas été dans le même move que ses coéquipiers hein, parce que Clément Lenglet entre en jeu à la 80e minute pour avoir un peu de temps de jeu. Et du coup, 2 minutes après, il concède un pénalty. Bon, voilà, c'est pauvre. Bon, après, voilà, ça arrive. Hein, voilà, c'est du football. Heureusement, il y a eu quand même victoire. Au bout, les autres photos du match, on peut voir Frankie de Jong, on peut voir aussi, Jordi Alba. Même Pedri ou Luc de Jong qu'on a déjà parlé hein, tout à l'heure, Dembélé et la connexion avec Aubameyang et Epic hein, tout simplement, voilà le 11 de départ hein, qui a commencé bien sûr hein, cette rencontre avant-hier. Et on peut voir d'après le journal, je crois c'est le journal sport, hein, les notes en gros. Donc Ter Stegen a obtenu la note de 9 sur 10 malgré les deux buts concédés. Bon, après ces deux buts sur penalty, il a fait cet arrêt déterminant voilà, sur Peno qui permet bien sûr au Barça, hein, on va dire, de marquer un but juste après. Donc une note de 9 sur 10. Hein. Donc je sais pas, Nico Gonzalez 4, hein, il a déçu. Dembélé, une note de 6. Ferran Torres, une note de 5. Ou je sais pas, au pif, hein, voilà, Busquets, une note de 5. Du coup, voilà, ce match contre Levante, c'est validé, il y a les 3 points. Parfait. Prochain match, c'est après-demain, on est le 12. Le prochain match est le 14, c'est contre l'équipe de Francfort et c'est sa domicile. Hein. Deux matchs à domicile de suite, hein. Francfort, puis après ça sera Cadix. Cadix, ça sera lundi prochain. Hein, ça sera pas le week-end, les gars, ça sera début de week-end, début de semaine plutôt prochaine, lundi prochain. Donc voilà, les gars, les deux prochains matchs du FC Barcelone. Et du coup, ce match contre Francfort, donc le Barça s'y prépare bien sûr. Et on peut voir l'entraînement du jour. Hein. Si vous travaillez dur, votre heure viendra bien sûr. En parlant de Luc de Jong, voilà, une photo. Hein. Quand tu donnes de ta personne pour le Barça, Gavi, on peut voir voilà, qu'il a été. Enfin, il a pris un sacré coup lors du dernier match. Il a quasiment un cocard. Hein, à l'œil droit. Hein. Bon rétablissement à lui, malgré, je pense, hein, qu'il peut quand même jouer. Hein. Gavi, il sera certainement dans le groupe Blaugrana pour la réception de Francfort. On peut voir Braithwaite avec Ansu Fati. C'est bientôt le retour d'Ansu Fati, les gars. Donc il devrait louper encore le match contre.
Francfort après-demain, mais il devrait être présent lundi prochain contre l'équipe de Cadix. Hein. Donc voilà, c'est imminent hein, son retour hein, pour la jeune pépite Ansu Fati. Et ça, bien sûr, ça fait plaisir. On pourra revoir bien sûr cette photo, peut-être dans le futur, hein, s'il marque un but. Voilà que ses coéquipiers le portent en triomphe. Et Xavi, les gars. Donc le coach Blaugrana par rapport à ce match contre Francfort, donc il fait une demande tout simplement aux supporters Blaugrana. Jeudi, nous allons avoir besoin du public du Camp Nou pour nous aider. N'oubliez pas qu'il y a eu un partout match aller surtout. Hein, cette équipe de Francfort a énormément gêné hein, cette équipe du Barça. Donc voilà, Xavi demande tout simplement de l'aide, on va dire, aux supporters surtout. Voilà, qu'il y a une énorme ambiance bien sûr hein, pour soutenir et surtout envoyer de la force au maximum aux joueurs. Nous espérons que le stade soit plein comme aujourd'hui, donc lors du dernier match, car le public a été décisif pour nous soutenir, les joueurs de Francfort. Et maintenant, c'est à nous de recevoir. Hein. Donc voilà ce que dit tout simplement Xavi, les gars, par rapport à ce match après-demain. Et n'oubliez pas que le Barça demande à ses détenteurs d'abonnements qui ne peuvent pas assister à aucun match restant cette saison de céder leur place gratuitement afin que le club puisse vendre les billets et remplir du coup le stade. Hein. Voilà, pour que bien sûr hein, le stade soit rempli entièrement. On va parler aussi du premier match. Dès que la saison sera finie, donc ce sera match amical, les gars, c'est dans exactement 44 jours que le Barça jouera pour la première fois de son histoire en Australie. Hein. C'est un match, je vous ai dit, hein, prévu le 25 mai prochain, donc dans 44 jours exactement, bien sûr. Hein. Le Barça ira jouer hein, du côté de Sydney. On va parler de la une aujourd'hui du journal sport. J'en ai parlé dans ma vidéo Zapimage pour ceux qui suivent hein, sur ma chaîne principale. Donc on revient, bien sûr, hein, vu que ça concerne le Barça et un accord avec Lewandowski, avec le Barça en une du journal sport. Le Polonais aurait informé la direction du Bayern de son souhait de jouer pour le Barça, insiste le journal espagnol. Donc le Barça et Lewandowski sont parvenus à un accord sur un contrat d'une durée de 3 saisons. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine en juin 2023, Lewandowski. Donc les conditions du contrat ont été discutées, Xavi veut le Polonais. Cependant, Barcelone n'est pas prêt à payer les 60 millions d'euros réclamés par le Bayern. Le Bayern aimerait, voilà, le vendre, hein, mais récupérer bien sûr de l'argent. Et 60 millions d'euros pour le Barça, c'est cher. Et je trouve quand même que c'est cher, hein, surtout un joueur. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat. Surtout qu'il est vieux, hein, Lewandowski, il a quand même 33 ans. Enfin, il n'est pas vieux, abusé, mais dans le football, 33 ans, voilà, t'es plus en fin de carrière. Donc c'est pour ça que le Barça veut bien Lewandowski, mais il va falloir absolument que le montant soit inférieur. On peut voir cette fois-ci la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, Aubame et Luc de Jong killer, donc en gros des tueurs hein, devant le but, c'est vrai qu'ils ont marqué pas mal de buts décisifs. Hein. Et Luc de Jong, les gars, concernant son futur, hein, c'est vrai que si à l'arrivée de, comment dire, Robert Lewandowski, hein, Luc de Jong, les gars, devrait normalement quitter le club. À mon avenir, je pense que n'importe quel joueur dirait qu'il préférerait rester à Barcelone. C'est évident pour moi, après la saison, je vais examiner mes options et les offres que j'ai. Pour l'instant, je vais travailler sur cette saison et après, on verra. Donc, il prendra sa décision en fin de saison, mais c'est vrai que s'il y a Aubame, s'il y a Memphis Depay, s'il y a, comment dire, Lewandowski en plus, voilà, Luc de Jong, hein, sait qu'il jouera encore moins que ce qu'il joue actuellement. Donc le mieux, hein, peut-être pour lui personnellement, bien sûr, ce serait d'aller voir ailleurs. Aubameyang, les gars, veut qu'Ousmane Dembélé reste au Barça. Il a dit, je pense qu'Ousmane me connaît bien et je suis toujours prêt quand il part à droite avec ses dribbles. Il doit rester, c'est la demande bien sûr hein, d'Aubameyang au club tout simplement et surtout aux joueurs. Hein, voilà, Ousmane Dembélé d'accepter l'offre de prolongation de contrat du Barça et bien sûr le prolonger. Hein, et actuellement, d'après les dernières infos, la prolongation de contrat de Dembélé est la priorité absolue de Xavi. Il est très important pour son projet. L'entraîneur souhaite vivement que le Français reste au club bien sûr, hein, vu qu'il est très très bon et surtout il est décisif quasiment à chaque match avec ses passes D. Voilà, le Barça veut absolument conserver Dembélé. Après, voilà, il faut que l'agent de Dembélé accepte la proposition du FC Barcelone. On va parler de Javier Mascherano, ancien joueur, pourrait faire son retour au Barça B ou à la Masia, le centre de formation Blaugrana. Il est actuellement sélectionneur des U20 argentins. Donc voilà, peut-être un retour hein, pour Mascherano du côté du Barça. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une info voilà, qui va faire plaisir aux supporters du Barça. Le Barça, le premier club de Liga du 21e siècle, donc en gros depuis la saison 2001. Donc on peut voir que le Barça a joué les 22 saisons, hein, comme l'équipe du Real Madrid, même l'équipe de Valence. Et on peut voir tout simplement qu'ils ont obtenu 1773 points. Donc 3 points de plus que le Real Madrid, 1770 points. Donc voilà, le Barça, les gars, c'est l'équipe qui a obtenu le plus de points hein, sur depuis, on va dire, la saison 2000-2001. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à plus tard.